Et bonjour à tous. J'ai fait tout à l'arrache. Normalement, ça doit être bon. Le micro est allumé. Les scènes sont faites. Normalement, on est bon. De toute façon, vous allez vite me dire si jamais mais quelque chose ne va pas. Donc, bonsoir à tous. Salut Ariotan, salut Baldrac, salut Arcanis, salut Quentin, RCSA, salut Citis, salut Reset, salut Artucho, salut Mister Bogen, salut Cabal, salut Soylem, salut Balou, salut Mel, salut Jacques, salut Mimilde, salut Rezati, salut Emirox, salut Yellow Roach, salut Aube, salut Geek, j'ai pas eu le temps de tenir ton soldo, salut Ottawa, salut Bob Kek, salut Dami, salut Sanchiro, salut Kentirox, salut Shermur, salut Vrael, salut Patrefa, salut Anis Anis, salut Nidor, salut Maître Lucky, salut Lero. Je zappe plein de pseudos. Salut Popo, salut Soylem, salut Treizu, salut Kalaka, salut Ghost, salut The Jikali, salut Moukille, salut Darf, Frikazoïde, salut Briveka, salut Wolflord, salut Puddy Panda, salut Georgidou, salut Chayou, salut Zero Scudé, salut Dridja, salut Morion Nombre, salut Lysander, salut Cash Runner, Yop Bok Kayak. Non, j'y arrive pas. Le titre, normalement le titre est bon, hein. Yop Diaper, Yop FR Kapal, Yop Christophe Red, Yop Sodanf de Démon, Sodfan Démon, oui c'est ça. Et si en plus je galère à lire vos pseudos, je vais pas m'en sortir. Hein. Yop Screed, Yop Inoji, Yop Sif, Yop Sinricho, j'ai déjà dit bonjour je crois, Yop Linkusan, peut-être aussi, Yop Disu, Yop Warrior, Yop Sharaniwa, Yop B, Tot, salut Vargas, salut Avionique, salut Ormagodan, salut Tartayule, salut TDLC, salut Shining, salut Ilix, salut Baranchin, salut Jaisel, salut Dark Paradise, salut Bolsover, Yop Sef, Yop Mitrodil, Yop El Potato, Yop Maelria, Yop Mr. Firezy, Yop Saiji, salut Elatar, salut Toxine, salut Soylem, j'ai déjà dû dire, salut Bobby, salut Kylens qui a son nom en bleu foncé. Si vous avez votre nom en bleu foncé, s'il vous plaît, changez-le que je puisse arriver à le lire facilement sur le fond noir, ce serait cool. Yop Geek Forever, j'avais juste dit Geek tout à l'heure, Yop Hagen, Balou CFR, Kaya, salut, Détroit Space, salut, Enedera, Yop, Yop Léodagan, Yop Omega, Yop Simart, Yop Yvmouk, Yop Odic, Yop Priya, salut Super Jario, salut Thieu, salut Bazaro, salut Malak, c'est bon, salut Wolfie Mato, c'est bon, Yop Abizagal, Yop Demon, Yop Sylvain, c'est sans fin. Ça va Sylvain? T'as ton nom en bleu foncé aussi. Oui, c'est le petit jeu de début de life, il faut que j'arrive à dire bonjour à tout le monde, c'est compliqué. Ah, en plus on a un nouveau membre de la famille, de la Glouglou Family, donc va bientôt y avoir la petite alerte. Si ça continue comme ça, Crane passera tout le stream à dire bonjour, c'est ça. Yop Kiskulito. Salut Dami, je crois que je t'ai pas salué. Yop Glougloubot, comment tu vas Glougloubot? Faudra que je puisse me répondre. Ah, Toumac nous rejoint. Et Toumac, il a son nom et le dindon, il vient 3 ans après. Bon, le dindon, il est un peu à la ramasse. Il est comme moi aujourd'hui, je pense. Ça risque de devenir embêtant quand tu auras le pic à 550 plus si tout le monde dit bonjour. Oui, mais bon, c'est marrant. Du moment que vous m'en voulez pas, si jamais je zappe votre pseudo. D'ailleurs, bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués directement. Ce sera pour un prochain jour. Normalement... Sur la semaine, je vais bien arriver à dire bonjour à tout le monde en zappant involontairement quelques pseudos.
Envoyez-lui des cailloux pour le retard de 15 minutes. Non. Si vous saviez, si vous aviez mon rythme, je pense que vous... Vous m'enverriez des câlins, pas des cailloux. Je te suis depuis le début. Ah, c'est gentil, Tumac. Ça fait très très plaisir, merci à toi de soutenir le stream, c'est très très cool. Nous montre le jeu qu'on n'a pas gagné, le méchant. Yop Kitano, salut Norris. On voit mieux le... Ouais, nickel Sylvain. Je vois pas ta piscine d'appart, elle est où? Elle est dans la salle de bain, mais c'est nettoyé, c'est bon. Donc oui, je me suis fait réveiller cet après-midi, parce que je me suis couché vers 14h, 15h, pour me réveiller à 17h30. Par une inondation chez moi. Parce que c'est toujours bien, je me disais, oh c'est sympa ce petit bruit, il pleut dehors. Et en fait, il pleuvait pas dehors, il pleuvait chez moi. Donc c'est le voisin du dessus, apparemment sa baignoire fuit, enfin on sait pas trop ce que c'est, mais il y a un problème en tout cas. Et donc du coup, j'ai toute ma salle de bain qui était remplie d'eau, donc j'ai mis un seau sur la fin, donc j'ai pu remplir un seau, mais sinon c'était assez la galère. Je t'envoie un câlin baveux, c'est gentil. Un câlin avec un cas, c'est classe. Merci, merci. Pour votre soutien, c'est très très gentil. Non, je vous avouerai que là, j'ai un rythme de vie en ce moment qui est particulièrement compliqué. Et quelqu'un a posté quelque chose d'assez judicieux sur Jeune9. Il a dit, le problème, c'est que t'essayes de tout faire et que normalement, on fait pas, tu peux pas faire et le stream et les émissions. Et dans les émissions, tu peux pas faire un million de thèmes. Normalement, tu devrais te concentrer sur un seul truc. Et c'est vrai que c'est un de mes gros problèmes, c'est que j'essaye de faire beaucoup de choses. Et au final, j'y arrive difficilement. J'y arrive, à peu près, de loin. Mais à chaque fois, qu'est-ce que je galère et tout passe de justesse. J'ai encore galéré pour mettre la partie 3 du live d'hier, sachant que la partie 3, elle a été censurée à cause du son. Et du coup, on peut plus uploader. Je pensais qu'en uploadant directement via Twitch, de Twitch vers YouTube, on n'aurait pas de problème pour le son. Mais en fait, ça, maintenant, il coupe le son directement à la source. Donc le seul moyen qu'on a, ça va être de comment ça s'appelle ? Je vais y arriver, d'enregistrer le live et d'uploader l'enregistrement, donc on va voir. Mais j'ai l'impression que ça saccade un peu le jeu pour vous, c'est bizarre. Quoique, peut-être pas, peut-être un tout petit peu. Moi, chez moi, ça saccade un tout petit peu, mais pas trop. Nouvelle partie? Non, non, je continue ma partie parce que je suis loin d'avoir terminé. D'ailleurs, j'en ai absolument aucune idée d'où j'en suis, mais vraiment aucune. Int, non, ça on s'en fiche, c'est là. Goblin Trouble, qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'aille voir Lawrence. Il était pas là-haut, Lawrence? Parce que maintenant, donc, mon ordi ne fait pas que streamer, il enregistre en même temps, via OBS. Donc j'espère que la perte de qualité sera pas trop importante. C'est lui? Oui, c'est lui. Faire... Ah oui, puis j'ai autre chose dont il faut que je vous parle. On sauvegarde, le F5, on l'a pas oublié. J'ai reçu mon premier cadeau de Stalker aujourd'hui. Donc Zorunino, si tu es dans le coin, merci beaucoup à toi. Je vais vous montrer le nouveau membre de la famille. Attention. Hop, il y a une patte. Hop, il y a une patte là. Donc voilà, le nouveau membre de la famille. La première peluche dindon. Reçu aujourd'hui. Cadeau de Zorunino. Merci beaucoup à toi. Hop, hop. Kren, je voulais te souhaiter un bon anif en retard et te féliciter pour tes 500 plus viewers de vendredi. Merci, merci. Espérons que ça se reproduise et qu'on arrive à avoir un pic stable. Et Réavis qui nous dit encore un joyeux non-anniversaire. Alors, je vais mettre le bruit du glouglou parce que comme d'habitude, ça ne... Voilà. Merci à toi, Réavis, qui tous les jours m'envoie un euro de non-anniversaire. Quel est le prochain sujet de SLG? J'en sais rien, c'est pas moi qui fais salut les geeks. Elle est moisie, sa peluche. Mais elle est mignonne, sa peluche. Non mais... Elle est mimi. Bon, c'est le geste qui compte. C'est la première peluche dindon, donc quand même, ça se fête.
Du coup, le mute des vidéos, ça veut dire que ce soir, il n'y aura pas de request song. Si, si, ça veut dire que j'enregistre moi-même et qu'il faudra que j'uploade moi-même. Donc, c'est une soirée test, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Le petit problème de framerate que je vois sur OBS m'inquiète un petit peu, parce qu'autant sur Divinity, c'est pas gênant, mais sur d'autres types de jeux, j'ai peur que ce le soit. Quand même, ça saccade, hein. Chez moi, ça saccade vraiment. Hein. Va falloir. De toute façon, je le sais, hein, il n'y a qu'une seule solution. Il faut un, que je change de connexion, et deux, que je change de PC. Donc, c'est pas possible pour le moment. Espérons que d'ici 2-3 mois, ce soit possible. Et on fera avec en attendant. Prochain sujet de LFG, c'est un LFG débat sur lequel Nico est en train de bosser actuellement. Un LFG débat sur les jeux à licence. Donc, c'est pas vraiment un débat, je le dis au départ, de toute façon. Je le répète à chaque fois, mais je le redis, LFG débat, c'est plus une discussion et le véritable débat, on le fait entre nous, derrière, sur Twitch ou via les commentaires. Et là, on va présenter des jeux à licence, plein de jeux à licence, et on va dire, bah tiens, tel jeu à licence, il n'a pas marché, etc. Ou celui-là, il a bien marché. Et puis voir que l'impact de la licence, est-ce qu'il est important ou pas. Yop, Chrono Natsuga. Ça saccade un peu, oui, mais ça n'est pas trop gênant. Ok, tout va bien. Mais bon, c'est quand même problématique parce que ça saccade pas en temps normal et ça veut dire que c'est l'enregistrement qui fait saccader. Qui veut lui acheter un vrai dindon? Donc ne faites jamais cette blague. Jamais. On fait pas de blague avec des animaux vivants. Yop, Goob. Yop, Morpheus. Et Awok, je sais pas si je t'avais dit bonjour. Attends, les soldes pour les pièces PC, c'est toujours le bon moment à condition qu'on ait l'argent, bien évidemment. Oui. Enfin, les soldes sur les pièces PC, il n'y en a pas trop, hein. Quand tu veux du matos récent, les soldes, c'est pas trop ça. Ce sera quand la suite du débat? Bah, probablement mardi prochain, donc pas demain, mais la semaine prochaine, voire mercredi. Ça dépendra de Fred, en fait, hein, parce que moi, je suis plutôt dispo. Et on a peut-être une soirée d'enregistrement de notre projet secret, le mardi ou le mercredi, donc ce sera l'autre soir. Quelqu'un connaît un traiteur qui vend de la dinde farcie sur... On peut envoyer un dindon mort si c'est ça le problème. Non, ça ce n'est pas une blague qui me ferait rire du tout. C'est pas trop gênant. Non, mais moi ça gagne moins que ce que vous voyez sur OBS, hein. Je pense que là c'est OBS qui galère parce qu'il fait à la fois l'enregistrement, à la fois le stream. On peut faire quand les requests sont bientôt, bientôt, on se calme. Donc j'ai pas mangé. Donc je me disais je vais manger pendant le stream en même temps que vous répondre tout ça, mais je vois que le fait de parler et de manger c'est pas hyper compatible, mais j'ai grave la dalle, donc vous m'excuserez mais je vais manger un peu. My friend returns. Voilà, j'ai coupé le micro pendant que je mastiquais un bout de pain avec du fromage. Et à côté, j'ai des carottes. J'ai acheté du coleslaw. Le coleslaw, super bon, c'est carottes, choux et de la sauce. Mais vu que j'étais dans une petite épicerie, c'est du coleslaw de marque inconnue. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, les trucs de sous-marque, plutôt que de focaliser sur le légume lui-même, qui ne doit pas être de super bonne qualité, ils mettent une tonne de sauce. Et du coup, c'est pas hyper bon. Plus bien de l'histoire, mais bon, on fera avec. Until we meet again. Pendant que je mastiquais. Du verbe mastiquer en un seul mot. Quoi? Tu te nourris d'autre chose que de granola? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai aussi pris un paquet de granola. À 2,45€ le paquet. C'est pas cher du tout ce petit magasin. Elles sont où les commandes Twitch? C'est pour cacher le goût poésie. Bon appétit, bien sûr. Donc elle dit quoi? On a fini ça. Qu'est-ce que je dois faire? Troll Bounty. Faut aller voir Brandon. Ensuite, faut faire quoi? Trouver un moyen de defeat le... Non, j'ai déjà oublié le conduit.
A piece of parchment. Un worship. Oh, il y a plein de choses où je suis à la ramasse. Compliqué quand il y a plein de sous-quêtes de se souvenir. Ok. Ok. On ira quand même faire un tour. On en est où au niveau 111 sur 130? Oh, mon inventaire. J'avais oublié l'inventaire. Tu regardais le dernier épisode de Doctor Who? Non, j'ai pas vu le dernier. Ah, nous avons un nouvel abonné, Avionic, qui rejoint la Glouglou Family. Bienvenue à toi, Avionic. Merci beaucoup. C'est très cool de soutenir la chaîne. C'est toujours sympa de voir des noms de gens que tu croises depuis un moment, puis d'un seul coup d'avoir la petite annonce. Alors je dois voir Brandon, Lawrence, Miner, Richards. Il faut que je parle avec le perso, je pense. Ça doit être pour ça qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Mais pourtant, je l'ai déjà fait, ça. Ah, j'ai ça peut-être pas sauvegardé. Marron l'avait fait, tout ça. Hein. Juste avant de déco. C'est pas la première fois que j'ai des sauvegardes qui ne passent pas. Donc voilà, je peux officiellement toucher le Ténébrium. On dirait du Baldur's Gate. Tout à fait. Je dois voir qui d'autre. Je vais aller voir la nana qui n'était pas contente. Et sinon, je pense qu'on... Quel level je suis? Je suis level 14. 14, les mobs sont level 16. Donc il y a obligatoirement des trucs que j'ai dû zapper. Nadia. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Non, je veux m'en aller. Ça va être le bordel, à mon avis. Il va y avoir un excès de violence. Allons empêcher un bain de sang. Yop, XD Breaker. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Yop, Cyclope. Je vois qu'il y a Saito, Lockhart et Multi qui nous ont rejoints. Donc salut à vous. Merci à Unoche pour le message de récapitulatif. Ok, on a fini une nouvelle quête. Pourquoi on est si bas level et pourquoi la suite est level 16? Il doit y avoir un truc. On va aller faire un tour dans la base parce que je sais plus du tout où on en est. C'est où The End of Time. On va voir si on n'a pas des bouquins à acheter. Vous savez, il y a les bouquins à acheter à chaque level up. Je sais que c'était il y a une semaine, mais comment s'est passée ta réunion chez JVC? Bah, vu que je l'ai répété vraiment plein de fois... Multi, je t'invite à aller sur Facebook. Il y a tout un récapitulatif sur l'avant-dernier post. Pourquoi il y a un MR avec une pile devant le pseudo? De quoi tu parles? C'est de ce jeu qu'est issu l'hymne du Chan. Oui, enfin c'est de la famille du jeu.
C'est où? C'est là? C'est là, je crois. Ça m'embête vraiment, ces lags. Alors, il y a quelqu'un qui donnait... J'ai peut-être une solution pour les soucis de lag. Tu pourrais déléguer à un de tes subs la tâche d'enregistrer live. Moi, je pourrais pas, j'ai un PC moisi, mais je pense que dans tes fidèles, il peut... Peut-être moyen, ouais, mais c'est compliqué parce que... il faut l'upload derrière sur YouTube. Il faut que ce soit quelqu'un sur qui je puisse compter tous les jours. Bref, non, c'est pas possible. Bon, c'est comme on avait une discussion, les gens disaient oui, tu te ferais te faire aider pour LFG, tout ça. Mais non, je peux pas me faire aider par quelqu'un en disant bah voilà, il faut que tu sois disponible tout le temps, il faut que tu enregistres tout le temps. Bref, non, c'est pas possible. Alors, non, elle a pas les bouquins à vendre, donc ça veut dire que j'ai déjà pris à ce level, il faudra revenir au level 15. Est-ce que j'ai des trucs à vendre par contre? Là, non. Là, probablement. Elle a 24 000, donc elle a grave de la thune. Pas besoin de deux. Ça, on s'en fiche. Ça, on va dire qu'on s'en fiche. Constitution plus, hein. Je sais pas si ça peut servir tout ça. Qu'est-ce qu'il faut vendre? Sparkling Silver Amulette. Pickpocket Lockpicking. Il n'y a pas de prérequis. S'il y a prérequis en force, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prérequis en force 13, force 10, force 9, force 10. Exerinote 9, ça on garde parce que la couleur elle est chouette. Dextérité 11, ça on garde, ça on garde. Ça on garde, tout ça je pense qu'on a les prérequis, donc on va garder des fois que. Intelligence plus 2, c'est level 11, level 13, level 14, level 12, ouais. Ça on vire, tout ça, pas de prérequis, c'est bon, pas de prérequis, force 9, pas de prérequis. Ok, donc tout ça déjà c'est pas mal, ça fait 13 000, c'est déjà un petit peu de thunes, c'est bien. Et ça va alléger surtout. Et ce sera tout. Hop. Voilà, Vetria. Est-ce que tu as des trucs à vendre? Ce serait bien que tu aies des trucs à vendre parce que c'est toi qui galère au niveau du poids. Mais tu n'as absolument rien à vendre. C'est bien le problème. Bon. Pour mon projet pour animer la communauté, c'est en voyant Gaming Live ou la Web TV qui pullule sur Twitch que je me suis dit pourquoi pas nous, genre se rassembler sous une bannière de l'United Kingdom. Enfin bref, je vais mettre tout ça par écrit. Ah, Dr. Awok qui a des projets. Déjà que tu es à l'origine du groupe Steam, qui a quand même pas mal de monde. Je ne sais pas si vous faites des activités encore dessus ou si vous jouez ensemble, tout ça. Je passe de temps en temps le soir en fin de soirée, mais c'est vrai que j'ai pas le temps de participer... à la vie de la communauté hors stream. Un peu compliqué. Que ferais-tu si tu n'avais plus d'obligations et plus d'internet? Je lirais. J'ai 1 million de bouquins en retard, je me plongerais dans mes bouquins de jeux de rôle. Et donc plus d'internet, donc on va dire que j'ai pas accès à tout, parce que sinon je regarderais 1 million de séries et que j'ai en retard. Mais oui, je pense que déjà tous les bouquins de jeux de rôle que j'ai achetés, que j'ai même pas pu commencer à feuilleter et finir Game of Thrones, je dois être à la fin du tome 4, donc le tome 4 anglais, le gros tome 4. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses, plein de bouquins que j'aimerais lire. Mais de toute façon, je le vois, hein, j'étais un gros accro aux bouquins et quand Internet est arrivé, je suis devenu un gros accro à Internet. Il me faut toujours un truc à lire parce que malgré tout, Internet, ça reste de la lecture beaucoup. Pour LFG, je lis énormément. Je vais lire des news, je vais lire des comptes rendus. C'est une grosse partie de mon travail et c'est ce qui fait que j'adore faire ça. C'est qu'une partie de mon travail, c'est en quelque sorte de me cultiver. Non pas dans un domaine où tu dis ah, j'ai grave de la culture là-dessus, tout ça. Non, mais ça reste intéressant et ça reste plein d'anecdotes, plein de choses à apprendre. Pour être mettre un compteur de sub, parce qu'avec le nouveau oncle, neuneu, nièce, frère, on se retrouve plus dans la Glouglou Family. Tu voudrais savoir combien on est? Il suffit de me demander, hein. Je peux le voir. Il y a une option sur Twitch qui me permet de le voir. Alors attendez, il faut que je trouve par contre où c'est. C'est là. Je crois qu'on est 140, mais je suis pas sûr. 140, c'est bien ça. Ah, bah on va être 141. Elios qui vient de sub à la chaîne, qui va voir sa petite animation dans quelques secondes. Est-ce que tu peux me faire de la pub pour ma chaîne Twitch? Je commence un let's play sur Batman Arkham Asylum à 22h. Yop Elios!
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi de subscribe à la chaîne, d'aider la chaîne et de faire partie de la Glouglou Family. Donc Mister Gogo, j'avoue que venir et demander de faire de la pub pour son live, c'est un petit peu limite. Donc je pense que c'est fait gentiment, donc il n'y a pas de souci. Mais je fais de la pub pour d'autres lives avec plaisir, avec Serf, parce que je le connais ou autre. C'est vrai que c'est pas facile quand tu n'es pas connu, mais c'est pas un bon moyen de première approche selon moi. Ça se cultive comment le crâne? Il faut pas beaucoup de soleil visiblement. Ça pousserait peut-être mieux au soleil, qui sait, hein, j'ai pas trop testé. C'est les musiques du jeu là, mais elles sont énormes les musiques du jeu. Tu peux mettre le dindon sur ton épaule comme les pirates. Le problème c'est qu'il va tomber au bout d'un moment. Je suis pas convaincu que ça se voit beaucoup en plus. Non, mais un compteur, ce serait sympa et ça éviterait de te déranger. Ouais, mais... Je suis pas convaincu que pour les nouvelles personnes, arriver et dire « Oh, il a tant de subs », ce soit fabuleux, quoi. Ah, Corey Face qui s'abonne à la chaîne. Nous sommes à 142, mais 150 se rapproche. Je sais pas si on a des nouveaux privilèges à 150, parce qu'on a toujours pas... On a toujours pas fait les deux emotes, la 7 et la 8, parce que je me suis dit que ce serait bien qu'on en ait vraiment qui correspondent à ce qu'on veut, pas juste. On les a faites un peu à l'arrache, les autres. Je les aime bien. Le K, je l'aime bien. Le Glue Praise, il est énorme. Au final, le Glue Kappa, on l'utilise jamais. Le LFG, bon, c'est toujours utile, même si on l'utilise pas. Le Glue Face, on l'utilise pas trop. Et le Glue Watt, on l'utilise quasiment jamais. Le Glue Face, c'est sympa. Mais par exemple, le Glue Watt, on aurait pu le virer, je pense. Et le Glue Kappa, bon, bah, c'est vous qui avez voulu, hein, mais. Voir ma tête en noir et blanc, ça m'a jamais éclaté. Quels sont pour toi les meilleurs JDR? Cthulhu et Nephilim. Maintenant, on peut t'appeler Captain Crane, c'est ça. Il faut lui trouver un surnom à la pluche. On y réfléchit. Il faut un glue fail, tout à fait. Mais Exar a fait un super fail. C'est, des fois, faire simple, c'est bien. Il a un fail écrit. D'ailleurs, je pense que nous avons des abonnés à la chaîne d'Exar qui sont présents. Si vous pouvez nous faire un petit ex-fail, ce serait parfait. 150, go soit sur Outlast. Non, non, mais ça n'arrivera pas à Outlast. Outlast, pas d'Outlast, tu pourras dire tout ce que tu veux. Bon, à la limite, si je vois un don de 10 000 euros, on peut peut-être négocier. Et encore. Donc voilà, Nilix l'a fait, fail, vous voyez, c'est très très lisible, c'est pas un thème, c'est pas une thème dindon ou une thème Dark Souls ou un thème quoi que ce soit, mais c'est très 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 lisible et ça c'est cool. Nom de la pluche, Billy. Ouais, Billy. Glue Billy. Sinon, pour Crane, 10 000, ok. À ce prix-là, je peux faire un peu d'Outlast, hein, je t'avoue. Hein. Sinon, pour Crane, je te fais vite un petit pavé. Un pavé de quoi? T'appelles ta petite poupée Glue Glue Billy, c'est évident. Ouais, Glue Glue Billy, Glue Billy, c'est top. On se cotise, il va falloir beaucoup vous cotiser. À 10 000 euros le jeu, je pense que j'ai trouvé un filon. Là, je pense que je révolutionne le streaming français. Alors, donc là, oui, on n'avait rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était faire de la place. On s'en fout un peu, ça. On va les mettre. Qu'est-ce que j'ai qui pèse lourd en fait? Mon problème c'est ça. C'est ça? Oh, je crois. Non, c'est pas ça. Mon problème c'est ça. Ça pèse une blinde. Ruby. High level ingrédient, d'accord. Tormented soul. Des barres. Ah bah les barres il faut. J'ai deux barres, mais c'est pour ça aussi. Oh, déjà, je vais gagner beaucoup de... Ah, nous avons peut-être le don de 10 000 euros. Presque. Voilà le premier euro, tu passes la soirée Outlast et tu auras les 9999 autres. Ça sent l'arnaque. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça upload, me dit Nico.
pour le... Il tient bien, hein? Je sens même pas, il est tout léger. Mais à mon avis, vous devez pas voir grand-chose, hein? Gloubili. Merci, malgré tout, Daigoro. 10 000 pas durs, créer une live dans 9 995 jours, je te les aurais donnés. C'est gentil. Ouais, mais ça compte pas vraiment parce que, en fait, en me donnant 1 € par jour, tu sais que tu engraisses beaucoup PayPal au passage, hein. Mais bon, c'est pour le fun, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'une fois par semaine serait peut-être mieux. Donc voilà, je t'ai connu avec la première de LFG sur JVC, nous dit Coreface. Oui, j'avoue, shame. Et faut dire que j'ai énormément apprécié l'idée et le sujet de l'émission. Du coup, j'ai suivi et suivi, j'étais content et j'ai été un peu triste pendant la pause, avant la reprise. Ah ah ah. Puis je me suis rendu compte que t'avais une chaîne Twitch que je suis de temps en temps. Et here I am. Du coup, le subscribe, c'est pour une certaine reconnaissance pour le bon temps passé. Wesh, t'es ma pute ici. Et la musique, PogChamp, tout ça. Pour dire, you're doing a great job. T'es marrant ton message. Pavé César, tout à fait. Non, on le voit bien, Globili, d'accord. J'ai fait une session de 4 heures sur Secret World avec un ami. Oui, je l'ai fait revenir. Ah, je croyais que t'allais me dire oui, j'ai un ami. Et je me suis amusé comme un fou. Ce jeu est génial et très lugubre. C'est rare pour un MMO. Lugubre, je sais pas si lugubre c'est le mot, il est mature. Bonne nuit Crane et le chat, j'ai cours demain, je suis débat. Bon courage Dovakin. Ah, maintenant voilà encore 1 euro, il reste encore 9 998 euros et ce sera bon les gars. Non, non, ça compte pas à coup de 1 euro, hein, parce qu'il y a 28% pour PayPal, donc ça marche pas. Bonne nuit, ça c'est lui, il a pas un moyen de faire taire la dame. Il n'y a pas un moyen de faire taire la dame de Avast, nous dit Simaf. Bah, si, t'as obligatoirement un blabla, une option anti-blabla dans le... Dans les options Avast. GG pour le pavé de saumon qu'Auréfect nous dit Jean Bambois. Elle est énorme la musique quand même. Et du coup, alors. Nous allons donc envoyer ces barres qui pèsent une tonne. Là. Homestead. Déjà. Pourquoi j'ai. Je suis toujours à 100 sur 130. Va refaire 100 sur ça, ça a pas bougé. Je viens d'envoyer un truc à 30. Non, ah, c'était à 3. Ah, oui, non, c'est pas lourd du tout en fait. Elles sont où les barres? Ah, ici. Bah, non. Ah, non, 0,2. Ah, c'est la valeur. Oh non, je croyais que j'avais trouvé un truc lourd. Bon, classé par quoi? Qu'est-ce qu'on a de super lourd? Ah, oui, c'est ça, je crois qu'on a rien. Ouais, regardez, j'ai 108 sur 130 et j'ai que des trucs à 0,5, quoi. C'est juste que j'ai 1 million de trucs. C'est exactement ça le problème. Nine Inch Nails. Et donc si je vais là, est-ce qu'il y a des... on va tout faire. Roll. Classé par quoi? Est-ce qu'on a des trucs quand même un petit peu lourds? Il y a ça, hein, et il y a quoi dedans? Il y a rien. Faudrait que je fasse du tri avec ces machins-là. Pelle, j'en ai besoin de la pelle. Non, j'ai absolument rien de lourd, hein. C'est la loose totale. Bon, tant pis, hein. Faut pas faire taire Avast, y'a rien de mieux qu'avoir une crise cardiaque pendant un jeu d'horreur. 400 viewers. On est assez souvent à 400, hein. Les 500, on a du mal, hein. Là, il y avait un event spécial, il y avait Divinity à gagner. Mais c'est déjà pas mal, ceci dit. Ah, c'est quelqu'un qui me parle sur... C'est quoi ce petit bruit? Ah oui. Quelqu'un qui me parle sur Steam, que me dis-tu? Je sais pas comment on voit ton message. Là-bas. Alors... Ah, il y a Globili qui se fait la malle.
Hop. Ça, le message de Darsol, on l'enlève vu que j'ai pas le droit. Pourquoi il a besoin de 10 000, je suis largué. Non mais c'est pas un vrai truc quoi ce daf, hein. C'est juste qu'ils veulent me faire jouer à Outlast et j'ai dit que je jouerais pas à Outlast sauf si j'avais un don de 10 000 euros. Pourquoi je vais là? J'avais envie, comme ça. Oui, j'avais envie. C'était quoi le nom de la ville où on était? Cilia, Forest Rock, Silver Glen, ça doit être ça. Bonne nuit, Screed, bon courage. Une bonne belle bière que tu connais à la plage de l'argent, c'est pas beau, mais ça ne me fera pas jouer à Outlast. Sinon, oui, hein, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que on peut... Non, je pense pas qu'on puisse enfin aller en bas. Salut les gens, ou un dindon sur l'épaule de Crane, je suis plus crevé que je pensais. Un cadeau de Zorunino, mon premier cadeau de Stalker, comme j'aime à dire. D'ailleurs, il est même pas là, je peux même pas le remercier. Est-ce que... Alors non, vous m'avez dit que ça avait pas d'intérêt de... Bon, sauvegarder. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a avec du bonus pick Ça par exemple, à quoi ça sert? En vrai, pourquoi j'ai ça sur moi? Smelly choses. Et il me faut du... Lockpicking, c'est ça. Lockpicking, tout ce que j'ai, c'est... Pocket, lockpicking, j'ai que ça. Ah non, j'ai ça aussi. J'ai pas des bottes qui traînent ou un anneau, non. On va voir sur Billy. Hop, hop, non. Et le truc, là non plus. Là non plus. Et sinon, un master, non. On cherche du lockpicking. Apparemment, on peut juste mettre plus 2, c'est déjà pas mal. Oui, ça j'ai déjà maintenant. Je les ai déjà mis, ce qui me fait 4 en lockpicking, et je crois qu'il faut 5 ou 6. Hey, insulte pas la salade de pommes de terre, je sais pas ce que tu veux raconter. Request song, c'est pas encore mis. J'ai tellement envie de jouer, mais j'ai tellement envie de regarder le live, mais j'ai tellement une connexion pourrie. J'ai tellement envie de streamer en 720p, de pouvoir vous enregistrer des vidéos belles, de me dire que derrière je peux les mettre rapidement sur YouTube. Et de pas voir mon jeu qui saccade parce que mon PC il suit pas. On a tous envie de plein de trucs. Où sont... Alors c'est dans quoi? C'est dans les ingrédients j'imagine? Non, dans les... Enfin ouais, enfin là-dedans. Non, c'est pour l'autre du tout. C'est où? C'est où les trucs pour... Bah si, ça doit être là-dedans. Mais j'ai dû les zapper. Non. Alors. Ah, c'est peut-être dans Hall et voilà, bah, c'est juste... Lockpicking too low. Et si je rajoute 1... Ouais, ça, il me manque un point. Enfin, un petit F8 histoire de. Je peux avoir le lien du Glou Glou Boat, please, nous demande Geek Forever. Il est un peu en train de se faire la balle. La malle. Sois sage, hein. Tombe pas. Tu vas te faire mal. Oui, oui, il est propre. T'inquiète pas. Shall we find out where it leads to? Nous avons donc un portail que nous ne devrions probablement pas explorer maintenant, mais bon, vu que je sais pas où aller, on s'en fiche.
Ah, une Bloodstone. Bloodstone. Une autre Bloodstone. Mais c'est très très bien ça. Pourquoi il me file plein de Bloodstone? C'est top. Ce qu'il nous en fait. Je dois en avoir une autre qui traîne quelque part. Ouais, j'en ai encore. J'en ai trois, donc je pourrais débloquer. Je crois qu'à chaque fois que j'en utilise une, je débloque des trucs, hein, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette note? Ah, la méthode pour transformer une Startstone dans une Bloodstone. Hop. Ok. Non, il y en a là qu'on n'a pas regardé. Crane, si tu vends tes deux GTX 670, je suis sûr que tu peux avoir une 780. Ouais. Ah, tu sais qu'au niveau perf, c'est pas si éloigné, hein. Une 780 Ti, à la limite, c'est un peu intéressant, mais il y a les 980 qui arrivent bientôt. Donc déjà, on va voir les performances. J'y gagnerai pas vraiment au niveau perf, hein. Ce que je gagnerai, c'est la tranquillité du... De la carte single, quoi. Et puis bon, pareil, je vais pas... J'ai autre chose à faire que passer des annonces... Chercher quelqu'un, imagine il y a un truc qui se passe pas bien avec la carte, etc. Paye ta galère, quoi. Où je suis? Non, alors comment on affiche la carte? The cooler seems fairly infested with immaculates. I wouldn't count on a long respite. Non, non. Je sais plus ouvrir la map. Non, c'est le table. Voilà. Donc on arrive là. Mais j'ai l'impression d'avoir brûlé des étapes. Est-ce que quelqu'un qui a fait le jeu peut me dire si je suis pas en train de totalement brûler des étapes en ayant... ouvert cette trappe et en passant par là. Parce que je suis tout sur le haut de la... Je suis tout sur le haut de la carte. Un petit coffre, j'aimerais bien voir un ennemi, voir le level des ennemis, parce qu'à mon avis... C'est moi ou nous les anciens, on est un peu délaissés par Crane 10 Multi qu'on voyait plus depuis plusieurs jours. C'est quoi cette remarque? J'oubliais que tu es jeune, Multi. Tiens, oui, c'est au final, on n'a plus jamais entendu parler de son Oculus. Tu veux dire là, qui est posé à côté de moi, qui a 15 cm et que je vois tous les jours et que je regarde en pleurant? Il n'y a pas une personne qui a fini le jeu ou qu'on est un petit peu plus loin qui pourrait me dire si je suis pas en train de faire n'importe quoi là en ayant pris ce portail vu que rien m'y emmène réellement. Bah non, il n'y a pas eu de test sur la série 900, elle s'est pas sortie. Je connais l'astuce mais ça change pas trop, il verra plus tard. L'astuce de quoi? Level 2, un dire. Non, tu peux aller par là. Ok. On va visiter, hein. Il y a un mystérieux stranger. À mon avis, c'est comme celui qu'on a déjà rencontré. Est-ce qu'il vend des trucs? Rien d'intéressant.
Ok, je sais pas à quoi il sert ce gars. What have you got stashed in here, Mrs. Il est mignon ce cochon. Cottontail. Reviens, je veux te parler. Ou alors toi. Yop Dragias. Yop Adopia. À quand les request song? Vous voulez que je lance les request song? Alors ce que ça va donner. Tiens, j'ai pas fait ici. Crane, as-tu fait l'initiation de l'Immaculée au nord vers les araignées? Non, j'ai pas fait Ivanoz. N'ai pas fait. Est-ce qu'il faudrait que je fasse demi-tour et que j'aille faire ça avant peut-être? As-tu déjà pensé à des options si LFG s'arrêtait? Bah... des options viables à elle seule, non. Mais c'est sûr que le Twitch en fait partie obligatoirement. Pour ça, il n'y a aucune raison pour laquelle j'arrêterai. Crane, me doute que tu as plein de choses à faire et finir Divinity serait déjà bien. Mais avec des amis, on bosse sur une campagne perso et scénarisée. Ça pourrait t'intéresser à l'occasion. Appel aux viewers au passage. Certains veulent aider ou tester. Aidez-moi en MP, nous dit Vargas. Bah, pour le moment, je t'avoue que c'est pas dans mes priorité dans le sens où il y a déjà plein de jeux que j'aimerais faire et puis en effet il faudra que je finisse Divinity mais c'est gentil donc désolé mais pas pour le moment. Non, pas de request song, les musiques Divinity sont magnifiques, faut pas gâcher. C'est vrai qu'on a des jolies musiques là, je suis assez d'accord avec Gunville, mais tout plus tard on en mettra, hein, vous inquiétez pas. Si LFG s'arrête, crée un compte sur Patreon, je connais pas Patreon. Et on le sponsorise. Ouais, mais je pense que... non. Je pense qu'avec un système de financement participatif, on n'arrivera jamais à dégager de quoi faire les LFG. Ma question a disparu dans les tourments. Je la remets. As-tu joué au JDR Dark Heresy? J'ai acheté le... non, j'y ai pas joué, mais j'ai acheté le... la nouvelle édition qui vient juste de sortir. Pôle emploi online, le jeu où tu crafts que si tu montes ta compétence recherche. Yop Jazera. On a le droit de request Lost Divinity. Est-ce que le créateur de mode map est déjà disponible et sinon, il le sera-t-il bientôt? Je crois qu'il est dispo. Hein. Je me demandais comment tu fais pour devenir un bilingue comme tu es. Et voyage ou apprentissage dans ton coin? Alors, je ne suis pas vraiment bilingue. Enfin, je parle pas bien, je le comprends plutôt bien, je le lis couramment, tout ça. Mais non, ça fait des années que je lis en anglais, je vis en anglais chez moi. J'ai tout en anglais, du coup, ça aide. Yop, Shag. Shag, il faut absolument qu'on s'occupe de l'épisode de... ah, de... je vais y arriver. De Landmark. Faut qu'on s'occupe de ça dans les deux jours qui viennent. Si jamais tu es dispo, ce serait cool. Dans un après-midi. D'ailleurs, Crane, après Divinity, quoi de prévu Tezo comme prévu ou MH? Tu veux dire quand? Aujourd'hui, j'ai pas prévu de Tezo. J'ai dit que je ferai probablement du Tezo cette semaine. Mais je sais pas quand, on verra. J'ai pas de plan hein, chez moi, j'ai pas un tableau avec marqué alors là je vais faire telle chose, là je vais faire tel truc. C'est à l'instinct, hein, à une heure avant le live je savais pas ce à quoi j'allais jouer. Je voulais jouer à Dark Souls déjà mais ça marche pas. Impossible de le faire marcher. Et sinon oui, j'ai pas fait là. Ouais, je pourrais pas rentrer dans le campement sans faire le... en effet, sans faire l'initiation. Donc faut que j'aille faire l'initiation. On va faire demi-tour. Demi-tour. Bonne nuit, Roshi. Bon courage. C'est pas up le request song, arrêtez de... non, Dark Souls marche pas. Non, je ferai pas de Tezo ce soir. C'est sur Steam, tout à fait. J'ai essayé avec et sans le...
D'ailleurs, à propos de ça, Crane Live, c'est quoi ton souci avec Dark Souls? Tu as installé DSFix? Oui, j'ai essayé avec et sans le DSFix, c'est le même problème, le problème a l'air totalement indépendant, et je suis loin d'être le seul, j'ai vu sur les forums, et ils n'ont pas trouvé de solution. Quand j'appuie sur paramètres PC ou nouvelle game et que j'arrive aux paramètres, ça me fait planter le jeu, donc je peux pas lancer de nouvelle partie, je peux pas changer les options, je peux juste les changer via le fichier de DSFix, mais c'est tout. Bonne nuit Bobby. Mais vous êtes plein, allez vous coucher tôt ce soir, qu'est-ce qui se passe? Je sais bien que vous avez cours, tout ça, mais... Il y a un autre Billy. Il est où Ben? Ah non, mais il est mort Ben, celui qui est mort, je sais plus. Fermez les portes derrière. Apparemment, il faudrait que j'aille sur l'initiation, mais les mobs sont level 16 et je suis level 14, j'ai obligatoirement zappé des trucs, j'ai jamais eu de problème de level, d'écart de level réel, encore je serais level 15, je me dis ok, pas de souci. Mais là, level 16, j'ai l'impression d'avoir zappé quelque chose. C'est la rentrée, demain, faut que les petits soient reposés pour être concentrés et non dissidents. C'est la rentrée, d'accord, ok, donc vous avez... Il va falloir vous faire violence pour reprendre un rythme. Déjà fait, Vargas. Oui, c'est ça, c'est 2$ à peu près. Bon, il y a des gens qui disent 1,90€, d'autres 1,44€, je sais pas exactement. De toute façon, les sous de l'abonnement, je les toucherai pas avant... avant longtemps, j'ai oublié un glouglou, mais il y a plein de... Ah, attendez. Décidément, le bot fonctionne plus du tout. Enfin, le... Voilà. Il y a Eudic qui nous dit on y est presque pour Outlast, plus que 10€ ou pas. Merci, c'est gentil en tout cas. Et je sais plus ce que je disais. Et je sais plus ce que je disais. On parlait de quoi? De Dark Souls, j'imagine. Voilà, me fait vieux. Crane, je crois que je vais craquer, acheter des stages sur MH. C'est trop frustrant d'avoir plein d'uniques et d'artefacts et de devoir choisir entre eux. Tout à fait, puis c'est un bon moyen de soutenir le jeu. Le truc, c'est que l'épisode hors série sur Landmark sera en full voix off, donc en full interview, style la fin de l'épisode de SWTOR. Donc c'est pas très très sexy. Mais bon, je pensais que c'était intéressant de le présenter quand même. J'espère que les gens râleront pas trop. On verra. My friend returns. Until we meet again. My friend returns. Il y a plein de trucs avec DSFix, il résout plein de problèmes, mais il en crée aussi. Et le problème, je l'ai avec et sans DSFix. My friend returns. Until we meet again. My friend returns. Until we meet again. Tant que tu ne gardes pas 300 crofts comme Kane, c'est un bon investissement. Je suis pas sexy. Je ne pourrais pas me prononcer, Shag. Salut Crane, salut à tous, ça fait longtemps, merci. La rentrée des profs a préparé, en tout cas, top le dernier LFG. Yop, MLK+. Et bah bon courage à toi. Pour Dark Souls, si jamais... Moi j'ai dû supprimer Game Live, c'est pas le problème, il vient pas de Game Live. Le problème, il vient du jeu. Il faudrait que je teste en débranchant l'Oculus, en virant le SLI. C'est un problème de gestion d'écran. De taux de rafraîchissement, de multiscreen, de SLI, de tout ça. Il y a quelque chose là-dedans. Je suis pas le seul à avoir ce problème, le gars qui disait... Donc je suis slow, slow failed. Là je suis slow. C'est nul d'être slow. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Dans le match, tu as un avis sur Punisher car il me le captive pas vraiment. Une fois que t'as le bon build, c'est une grosse brutasse. Mais genre une grosse quoi. Needle. Mais peut-être pas, c'est pour faire de la couture. On va identifier des trucs.
Fichier. Bah, deux items totalement useless. Celui-là et celui-là. À côté de ça, on a ça qui fait perception plus 1, ça me fait une belle jambe. Et on a ça, water resistance et air resistance. Ouh, ça a l'air bien dit donc. Ils courent dans le sens du vent, mais ils sont slow. Ah là là, ces gens qui cherchent la logique. Alors j'avais tué une araignée ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle était level 16 du coup. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce que je dois faire? Là-bas, il y a des araignées. Là-haut. Ça continue. C'est quoi? Un col. Avec un os. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est là qu'il faudrait que j'aille? Aucune idée. Ça m'embête de ne pas avoir fini de visiter à l'extérieur. On va revisiter à l'extérieur. Tu as parlé de tes mangas favoris il n'y a pas longtemps. Qu'en est-il des comics, des histoires particulières qui t'ont branché ou des persos favoris en dehors d'Emma? J'aime bien Punisher. J'aime bien Deadpool, mais je le connais pas trop. J'ai beaucoup aimé récemment. Je connaissais pas Swamp Thing de la refonte 52 DC. Là. Très sympa. Sinon, comme ça, je. Ah, bah j'adore. Je vais y arriver. Les Watchmen. J'aime vraiment beaucoup le comics Watchmen. Beaucoup aimé les Endless. Et puis V for Vendetta, mes préférés. Ensuite la mine 13-15, ensuite les spiders. Bah j'ai déjà fait tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais de l'avance. Là-bas, il y a des trucs. Ah c'est bizarre, j'ai fait tout ça, Dranek. Et pourtant, j'avais de l'avance en level, c'est ça que je pige pas. Je suis passé d'un gars qui a de l'avance à un gars qui a du retard. Alors là, on a les spider eggs. Est-ce que on peut la jouer genre... Alors comme ça, est-ce que c'est possible ça? Pas du tout ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Alors, une autre boule de feu, elle est où? Ah, je peux pas. Pourquoi j'ai un tour? Ah, parce que c'est le premier tour. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux zones. C'est une zone, ça, c'est une zone. Je me souviens plus quels sont mes sorts de zone. Ah, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave, ça. Ça devrait être une zone. Donc poison sur les araignées, j'ai un peu des doutes. Ok. Et ça, ça devrait finir le tour. Plein d'XP, masse XP pour avoir tué des trucs qui tapent pas. C'est bien ça. Mary Jane, il kiffe Mary Jane. Je kiffe la statuette de Mary Jane, oui. Surtout. T'as bien fait le royaume de glace avec King Boreas, oui. Voilà la... Il faut que je passe en 60 Hz. Mais oui, il y a moyen que ce soit ça le souci.